Donc, Préférence Formation est un réseau d'établissements agricoles publics. Il est composé d'une centaine d'adhérents et il est piloté par un comité représenté par des élus, des adhérents des établissements. Et ce sont ces adhérents, le comité, qui décident des orientations stratégiques de Préférence Formation. Alors, Préférence Formation a d'autres ambitions. C'est d'ailleurs prévu dans certaines résolutions de l'Assemblée générale. Avant tout, Préférence, c'est un réseau de compétences. Et donc, les compétences mutualisées au sein de ce réseau, chacun peut les mobiliser dans la mesure où c'est prévu par les résolutions de l'Assemblée générale. On peut mobiliser ces compétences pour travailler sur une problématique locale dans la mesure où ce projet peut être d'envergure nationale, où la problématique rencontrée dans un département, dans une région, peut également concerner d'autres régions de France. On peut utiliser les compétences de Préférence Formation. L'objectif, quand même, est que tout ça se fasse dans le respect des organisations qui peuvent déjà exister ou des réseaux thématiques qui peuvent déjà exister au sein du ministère de l'Agriculture.